Bonsoir, bonsoir tout fanatik bio, bonsoir tout fanatik takotak. E jan nou wè la, jodi a la, e pral gen palan pil, Greg Paré. Depi yè, misye ap chofe, misye ap fè push-up. Basè misye di li wè la gen lanko let Paul la jodi a la, basè Paul semble va ganyen pou l'di misye. E Paul, Grégory, koman nou yè la? Oh, très bien, grâce à Dieu. En forme. Bonsoir fanatik yo, et bonsoir Herbie, bonsoir Polo, mes deux confrères, et j'étais nous devant son très bonne journée, moi même devant son excellente journée, en excellente soirée, et là, qu'on y a la nouvelle parler, comment est-ce Polo? M'en salue tout fanatik yo, m'en salue Herbie, et m'en salue tout le monde qui a regardé là dans un moment, Salutations pour Greg? Faut dire excuse pour ça te dire ou te dire l'offre 3-0 gros je vous parle pour qui salutation hein on va faire salutation à Greg pour qui salutation on va saluer Greg pour qui ça Nega vin là la en tout cas vite Nega vin là tout sourire yo pas même saluer yo pas nous pas même saluer et fanatique yo mis à sourire là brim par contre si je gagne dans l'auto ou bien dans l'auto Herbi mais à coup pas forme prendre yes what hier Nega fait menace il dit l'elle fin 3-0 faut moi vin pardon et quand t'as fait mais OK j'aime pardon merci bonsoir Greg pardon barre vous en tout cas mes amis. Et nous commençons avec Bayo et n'a commencé avec actualité hier ça t'est arrivé hier dans match contre Lakers contre Boston et on dit Lakers contre Boston Lakers contre et non guess what moi qui t'a prédit en finale là Maroney donc le match non guess contre Lakers là et non guess c'était pratiquement joué une énergie pendant tout match et voilà. Bah ouais mes amis depuis hier chien pas voulu me faire live là mon chien besoin attention là même depuis hier donc désolé manatique donc le match hier là et Lakers contre Nuggets et Nuggets pratiquement t'es contrôle match là depuis à partir de qu'a dit fin premier quarter jusqu'à un petit moment panique de négoté gagné c'était la mi-temps 4e quarter à côté Lakers vinn monter sur après il t'a mené 18 points d'écart et quand là t'es même vinn réduit à peu près 5 points d'écart et côté Lakers t'es font un belle montée Rondo t'es met en défense tête chargée sur Murray côté monsieur prend 3 et il fait 3 steals l'un derrière l'autre et ça vinn bay Lakers un petit courage long run qui était extraordinaire et puis après ça et Negovin reprend poisio yo mette Lakers de côté malgré le bon te fait un triple double 30 points et 30 points 10 rebonds avec 10 assists on croit on va comme ça monsieur fait Anthony Davis te fait 11 assists et Anthony Davis fait et 27 points mais Jamal Murray te fait presque lui même il presque font un triple double lui même côté il te fait 8 rebonds 11 assists avec plus de 25 points dans match là. Paul, qui sortait ouais dans match là qui ça ou tu as tiré de match ailleurs. Moi tu dirais que Denver continue sur même la sécurité après game 2 là et côté Kunegio on dit utiliser Zamfoyo qui c'est pick and roll yo ensemble avec Jamal Murray et puis Jokic. Li marche pendant un bon moment dans match là. Et puis on nous dit bah la janvier c'est que si ou gagne Jeremy Green cap saute sous banc a fait 26 points dans match basketball ou gagne Monte Morris cap shooter à plus que 70% cap saute sous banc ou cap fait plus de 15-16 points pendant que superstar yo même tout yo respecté rang yo ça veut dire que yo pas joué de match extraordinaire mais on parle de John Murray avec de Jokic. Ou gagne de gros chances pour battre match basketball là et c'est une raison qui fait que et Denver montrer que li son bon équipe. On moun gen wa minimiser, on moun gen wa et pa bay yo respect yo mérite. Ah mais Denver son bon équipe et yo montrer que c'est pas par hasard que élimine les Clippers. Et yo montrer que si les Lakers a dormi et yo capable bay les Lakers problème. Et maintenant ça nous capable ouais tout c'est que Lakers jouer 6 minutes basketball et match a très dur pour 3 points en 6 minutes.
Ça parle tout de qualité équipe Lakers nan yé. Et l'on regarde dans ton équipe. Parce que si vous regardez, par exemple, Big Man Lakers yo hier, notamment Anthony Davis, dans deux grands rebonds au match de basketball. Ou pas pour ça, et encore pour Jésus tourner et pour la terre. Et moi-même, je crois que yon bagay que Lakers et fait un match hier là. Et c'est lui-même, je pense, qui peut-être n'a pas dormi sur match 2. Yo pensais que ah nous mettre jouer mal n'a battre qui ça quand même et puis yo vinn yo pas vinn avec énergie pas rien l'autre bagage pas aucune explication scientifique qui va l'expliquer Anthony Davis fait deux rebonds au match de basketball côté que c'est lui-même qui vit au souterrain côté que gagne plus que et 100 shoots qui prend au match de basket donc et ça qui fait hier là pour moi-même lui expliquer qualité équipe Denver Nuggets certes mais pour moi-même ni plus. Et on dit parler sous qualité équipe Lakers en lui-même, qui pas au moment dormi, qui pas au moment levé sur accélérateur, qui pas au moment venir sans énergie. Hier, c'était ça justement que les intangibles qui te parlaient pour Nuggets. Nuggets bat Lakers dans l'énergie, ils battent Lakers dans l'intensité, ils battent Lakers dans la rage de vaincre. Le Lakers monte volume dans le quatrième quart de l'heure, ils close gap là, mais c'est trop tard. Et puis, Vin joint que non seulement trop tard, les Lakers dépensaient trop d'énergie pour close gap là. Mais ils viennent pas qu'à close game dans le moi, je pense que c'est ça lié et moi, bien content que Nuggets fait série, assemblée en série. Parce que les Lakers 3-0 avec qualité match que ils jouent. Par exemple, le Bon font triple-double, mais nous tous là, on est que ça, son vieux match. Le Bon font triple-double, fait 30 points. Parce que, et M. Jonathan Pil Fastbreak n'a fait match là avec défense, Rondo surtout. Bon, je ne vais pas retirer tout crédit sur M. M. font une bonne séquence de défense tout le monde qui a fait zone là, et puis M. Campan bat sec là. Mais après ça, son vieux match, le bon joueur. Et on paquet Kellers turnover, et les turnover pendant bon moment dans le match là, etc. Après le film fait 10 points dans le premier quart de là. Anthony Davis fait 27 points, mais son 27 points bouillon. Jokic boit monsieur hier dans match là et mais quand même un petit bravo pour vos gars qui quand même et c'est une bagarre moins quoi que monsieur monte comme qualité hier c'est que monsieur a adapté hier negio ouais que yo pas jouer on nous comme ça sous périmètre là avec Murray avec Jokic pendant que negio chaud mais yo met en défense zone et puis pour une raison pour l'autre monsieur et comme si moi je ne dis oublier je jouer ça les défense zone là monsieur. Mais ils ont tellement eu pas ouais défense zone dans longtemps depuis collège leur défense zone arrivé toute cette play gaie il y a même gardé des fois c'est café cadeau match à carrément monsieur on pas capable mener pour 20 points en 24e quarter pour quitter Lakers close sous contrat mon cher nego manqué décis à match là et heureusement on pas fait et puis Jamal Murray mis deux shoots qui sont dans ciel là ça. Dernier shoot là même son boulet canon carrément. Son boulet canon moi même c'est ça me tire dans match là. Bravo Denver mais Lakers gain pour le mettre plus sérieux dans jeu li parce que on équipe qui gain prétention champion ou joue 48 minutes basketball dans 6 minutes et dans 6 minutes nous ouais qui ça Lakers c'est semblé devant Denver. Bon premier bagage m'a dit at least au moins ka bay Denver un petit crédit. Oh non, pas de crédit. Non, m'a parlé de crédit. M'a parlé de crédit. M'a parlé de crédit dans série ça. Non, il y a pas de. Oui, m'a dit qu'il y a gagné un match. Il y a gagné un match, c'est fini. En tout cas, moi avec Abin dit qu'il y a gagné au moins deux. Donc, série A de A1 entend toujours. OK. Et premier bagage et deuxième bagage, m'pas d'accord avec c'est l'autre dit tout simplement que et les Lakers ont dormi. Comment? Bon, ok. Pour raison qui fait pas d'accord pour parler de Lakers qui ont dormi, c'est parce que Lakers depuis la Game 1, depuis avant Game 1 même, nous avons dit ça et nous avons parlé de ça, que Negio connaît qui est qui Denver. Il connaît que Denver, depuis les épisodes sur l'accélérateur, il a fait comeback. Si on connaît ça, ou pas capable de parler de demi kounya. C'est juste que Denver mettait les Lakers dans la position pour mettre là. Moi-même, j'aime taper depuis la game 2. Hein. Depuis la game 2, Denver, gon bagay, li jouen, li gon ajustement que Denver fait dans la game 2, qui poursuivent dans la game 3, qui
qui permet yo joindre brèche là. Yo te joindre brèche là, yo te fini pas fini mais pas joindre brèche là. C'est on son et comme d'a dit ça, on plaidantologie avec on exécution de Anthony Davis à la perfection qui permet que yo te mené 2-0. Mais Denver depuis sous Jean Lité a abordé match là, ou est que Malone te gitan joindre comment pour yo cut passing lane yo, comment pour yo couper et rip Lakers surtout les passer ballon hein, parce que nèg yo yo connaît que deux meilleurs joueurs c'est Anthony Davis avec LeBron et puis et en pile côté de basket de Caruso, de Kuzma et autres. Donc ça nèg yo fait nèg yo sous garder bien surtout dans paint là nèg Lakers yo rien mais fait ça. Yo remet comme si t'as dit LeBron même ça remet même lui camper dans tête raquette là et puis les soit Kuzma ou bien KCP ou bien Caruso a cut le basket et puis prendre ou bien Danny Green et puis monsieur joindre brèche là et puis kounya la nèg yo mettre layup ou bien mettre jumper. Donc Denver fait ajustement ça et deuxième ajustement que Denver fait c'est que Anthony Davis gon mode le la pénétrer ou du moins le la mandé ballon en dedans ou du moins le la fait et post lien li yo connaît sous qui bol a virer et puis yo vinn faire sur noble et puis kounya ou pral remarquer que nan faire sur noble kounya la Anthony Davis kounya la obligé chercher moun dehors et nan chercher moun dehors yo connaît que kounya la yo gen active hands comme si pou yo capable couper passe yo. Donc et ça Denver fait hier là et juste même pas cacher dou m'a regardé match là et si bonhomme qui est le Rondo ça monsieur juste si nèg ça te gon jumper à la CP3 mon temps travé parce que et son équipe pratiquement monsieur juste extraordinaire parce que hier c'est monsieur qui pratiquement dans 6 minutes a parlé a quitté les faire de lance là qui tellement mette pression sur Morey, nèg yo a fait une série de Dalton over comme si il explicable parce que c'est crédit à Rondo quand même qui c'est une meilleure style dans la ligue là et qui était là encore dans bubble là. Donc et Lakers et montrer autour que le mette pied sur accélérateur ya, yo ka vraiment comme si d'adou paniquer et ça montre une résilience Denver, ça montre et qui Jean que nèg yo malgré que et les que ça fait one year one parce que basketball c'est un game of run, malgré que les que ça fait one an yo jwenn moyen yo kembe calme yo kembe flag yo et puis Jamal Murray monsieur a prouvé là dans playoff encore une fois que et monsieur son nèg pral di lavel pendant plusieurs années là pratiquement parce que si monsieur Kembe forme ça, monsieur Denver a vraiment 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 impossible l'année prochaine si Dieu veut et pour les années à venir. Donc c'était rien 2-1 et demain si Dieu veut, on connaît que demain si Dieu veut, moi attendre que c'était un close game et moi attendre que monsieur LeBron pral ba un match extraordinaire. Mais moi souhaiter que pendant la bataille extraordinaire là et que Anthony Davis pas go crazy même j'ai ensemble avec parce que Anthony Davis c'était ben un match plus ou moins moyen vous comprenez et même qu'on est que demain si Dieu veut m'attendre que Denver ka fait 2-2 normalement on fait très mauvaise lecture de match là et Grégory sous dit que Denver joue non bag et depuis dans game 1 et Negio et Lakers c'est qu'on est et qui ça Denver si que yo le vivre soit c'est à toi c'est Denver qui font mais pas vrai regardez le bon début game 2 avec le bon deuxième troisième et quatrième quarter ouais c'est pas même joueur son joueur qui just a pace his time on the court la PC involve tout le monde li pa en attaque mode aussi simple que ça c'est pas Jeremy Green c'est pas et Torrey Gregg c'est pas Murray c'est pas next on qui bloque le bon et si pour chaque le bon passe accélérateur li gen un pack à joindre et shoot là par exemple hier le bon gen deux shoot li rate dans ce match là ouais c'est parce que monsieur fatigué puis John Brown rentrer mais pas monde qui devant qui mette défense qui fait qu'il pas rentrer et puis tout soit bien Greg qui explique qui coaching qui fait Anthony Davis fait deux rebonds au match basketball.
Qui coaching qui fait Anthony fait deux rebonds? Qui fait que vous prenez trois big men, Anthony Davis, Dwight Howard, avec JaVale McGee, et ça vous fait quatre rebonds dans le match de basketball? Ça n'a pas aucune explication scientifique et compréhensible pour dans ça. L'autre bagarre encore, Greg. Tout le monde Mais parle ça là pour arrive moi. alors. Non, mais Mamzou, parce que vous venez jouer sans intensité. Vous Pour venez qui jouer sans est-ce que je intensité. ne Vous pas venez jouer comprendre sans bagarre ça. intensité. Grégory, vous ça veut dire intensité. Intensité et pas équipe adverse pour ne pas mettre intensité. Non, vous venez jouer sans Non, intensité. Vous venez jouer sans non, non, moi-même, même. moi, tout encore. Même je. Oui, continuez, non. Ou mal comprendre ça, Mzou. Moi, je n'ai jamais dit que Denver déjoue un moyen pour stopper le bon. Ce n'est pas ça, Mzou. Non, je ne Moi, parle pas de tout que LeBron Denver. seulement. Je parle Non, de moi, tout ma que LeBron. Malone. Moi, je dis que Mike Malone joue un fonds ajustement dans Denver qui permet yo capable ajuster à pour yo capable couper une série de bagages dans attaque les Lakers surtout pour forcer au fait turnover. Non, Grégory, bonjour. Songez à un match. Songez. Bon, rappelez le match à toi, pour 3 points. Match à pour 3 points. KCP joue un wide open 3 points. Il a raté. OK. Kuzma joue un wide open 3 points. Il a raté. LeBron font turnover et n'a précipité sur on fast break. Et Anthony Davis, non 3 contre 1. Lui-même, Rondo Kuzma font turnover. 4 actions, une après l'autre. Lakers jouent une opportunité pour. Prendre le lead là, ou bien égaliser, oui, n'y a pas fait. Ça veut dire que ça, pour moi-même, ce n'est pas défense Denver qui l'a cause. Parce que je parle de wide open shot. Ou son jet shoot ça, Kuzma hésite avant de prendre le shoot, hein? Ou son jet shoot KCP, hein? Alors que les cœurs, c'est Mon prendre le lead. l'autre action tout et pendant on dit ça mon l'autre action qui fait passer la tête moi mon côté Negovin font on set play et puis Boule la vin John Murray wide open KCP t'as gagné pour la route sous lui ouais KCP fait ah et monsieur bye vague heureusement Murray t'a raté shoot ça mais ça montre que Negovin vraiment comme si Negovin gon dernier step vraiment pas gagner le match et dans commencement tout où est que Bench et Denver a été outscore Bench Lakers à 21-7 au moment de la match. Non. Je ne pas le deuxième quart. Donc, il y a Negro. Quel que soit un match, par exemple, Torrey Gregg, et pas Torrey Gregg, non, et Jamie Green fait 26 points. Et comme si Caruso t'a sorti là, il fait 26 points, oui. Caruso fait 26 points dans le match de basketball, les Lakers battent pour 30 points minimum. C'est comme si, pour moi, même bien de série de bagages, c'est pas question, pour moi, c'est pas une question de coaching. Et Denver fait ça l'habitude de faire ça le compte faire, et le fait, il pas qu'à battre les Lakers. Et hier encore, malgré que tu es excellent, on équipe qui peut mener pour 20 points. Mi-temps, 4e quart de Greg. Dans 5 minutes, les Lakers descendent 5 points pour 3 points. Donc, moi, je ne vais pas retirer crédit sur Mike Malone parce que moi, je dis ça. Et pick and roll, Jamal Murray, ensemble avec Jokic, il marche mieux vrai dans game 3 que je l'ai marché dans game 1. Mais guess what? Dans game, mettons defense zone. Mais yo vin pa ka fè pick and roll parce que ça defense zone nan vin fè pour équipe Lakers. Nan vin fè que même si yo switch, yo still gen yon moun nan cette raquette là et yo ka fè double team nan sou Jokic. Si Jokic vle rentre. Donc ou ap wè, hier si c'était pour Jokic, game over. Game over hier. C'est deux shoot sa ou Jamal Murray mette avec turnover Lakers comparé avec wide open shot et puis le bon qui gaz. Well, ça veut dire nèg yo tellement mette énergie pour tout le match. Nèg yo vin fatigué. Il y a un close game, non. Denver sont bons. Non, mais bonjour, mais vous m'avez tout pour comprendre. Je pose une dernière question. Je pose une dernière question pour me finir. Ou même qui t'a suivi le match là, est-ce que tu es confiant Denver à battre quand même le Lakers descend pour 3 points? Réduit match à pour 3 points. Non, je suis pas confiant. Exactement, ça veut dire que. Ou Non, attention, attention. Raison qui fait me battre confiant, ce n'est pas parce que je pense que Denver capable et weather the storm non ou du moins oui pour être capable calmer tempête là non moi t'es inquiet parce que moi t'ai trouvé que Jamal Murray surtout fait trop comme si équipe Denver a fait trop turnover sous pression yo que comme si c'est comme si Ndazou n'ego oublié comment pour gérer ballon c'est oui crédit à Rondo crédit à défense Lakers là.
Mais son série de bagay kom si ke neg yo, se kom si neg yo blye ki jan ke le yo trap ou, le yo pressure ki jan pou passe balon an, ki eski pou open, pou yo kapab jen ki eski ki open. Se sa kom si mdadou ki te ban problem nan le map gade Non, run Lakers ap fè ya. Mais mes problèmes qui gagnent, les Lakers pas trap en seul genre. Les trap dans tout, les trap dépendamment de un groupe rien, c'est avantage sa zone là-bas où. C'est que ou toujours gagner moun nan passing lane yo et ou ka double team parce que Mais c'est ça. Polo, songe ki jan Wando fè 3 steal yo sou Morey yo, jusqu'à 4, même si m'songe bien. C'est pressure, c'est on-ball pressure, One-on-one. on-ball pressure. Si c'est on-ball pressure, ou pas qu'à dire, ou perdre le ballon 4 fois même genre, il pas fait sens. Il pas fait sens. Il pas 4 côté, fois, bon côté. Deux styles, comme ça, il pas 4. Il pas 4 bon côté. Talon, non, on nous pas vraiment regarder ça comme là. Ryan Brown fait une intervention, il dit li comme quoi li pensait que analyse qu'a fait là c'est nous pas crédit ou bien nous dit que les Lakers pas tout jouer et pas que nous dit les Lakers pas tout jouer, nous dit que nèg yo pas de venir avec intensité. Nèg yo vinn jouer normalement mais ça arrivé que Anthony Davis Ça Paul dit il fait sens. Anthony Davis qui fait deux rebonds, c'est pas Denver qui était pire fort, non qui fait Anthony Davis et prend deux rebonds ou bien Oui, nek, monsieur pas assez agressif. Monsieur pas assez agressif parce que nous connaissons Anthony Davis moyenne rebond Anthony Davis c'est 11 rebonds par match. Son nek, non, son Abby, excusez-moi, je comprends ce que tu dis, mais moi-même problème c'est que problème moi avec Polo c'est parce que prédiction Polo avant match ça, c'était les 15 points pour 15 points d'écart. C'est comme si Mtadzou, pas un yé Denver café que les 15, comme si Mtadzou, Non, n'est pas samedi. Les 15 ont joué à intensité, équipe ça, pas qu'à battre lui. Grégory, regardez, où joue sport déjà? Où compte ça veut dire, l'on équipe vient jouer? À intensité, équipe l'a décidé le vivre. C'est où yé Denver vini, dit les 15. Mon cher m'a battu, m'vin battu aujourd'hui, hein, Lakers même a dit, ah, ou met a joué ou va battre. Malgré Denver mené, Lakers toujours ont leur collé. Son j'en ai début 4e quart-temps, début 4e, match a réduit pour 5 points. Bon, bon, qu'est-ce que vous comprenez? Donc ça veut dire que et les Lakers passent accélérateur à vrai, et puis match a réduit pour 3 points. Ça ne veut pas dire que. Ça m'a même dit que et Denver pas me dit que Denver pas capable de match au contraire me dit que Denver si pour le battre il capable on match en série ça. Bon besoin question. Yes. Game 2 Lakers c'est une intensité. Oui Denver Lakers une intensité puis baisser intensité à dans deuxième mi-temps le bon how listen wo on pas comprendre. Regardez combien shoot nèg a prend, regardez combien fois nèg a pénétré. Regardez ba ça yo ou pour nous regarder match ça ou elle. Non pas de problème. But how come comme si c'est ça m'ba ka d'accord comme si mo kaserné bien. OK Greg. Pour Greg, qui raison ou connaît son boss win? Greg, ou pouvez déposer une question, m'pose une question. Donc ou pas j'aime qu'on sacrer une équipe qui vient jouer avec plus d'intensité qu'on l'autre ou pas comme ça. Non, pas de problème avec ça, c'est pas ça me balayer. Mais c'est ça me dit oui, moi dit que Denver te vient jouer avec intensité. Contrairement à Lakers qui lui-même vient jouer, comprenant que son équipe lui capte n'importe qui moment et hier il manquait faire encore. Hier il manquait faire encore Greg. Non mais son jeu game 2 si Lakers vient jouer avec intensité. Nuggets match intensité ya. Greg. Nuggets match intensité ya et donc moi-même c'est là pas d'accord avec. Mwenzou, intensité pour intensité, Nuggets ka match li, c'est ça le prouvé. C'est ça me trouve moi-même. Mais ça mwenzou, même pas parler de intensité Greg, tout monde ka joue à intensité. Mais comment écrire les talents? Ou vin joue à intensité, m'vin joue à intensité, m'gen meilleur talent m'a battu, même c'est ça me trouve. Ça veut dire même ça me dit. Denver a joué plus bon basket li. Lakers a joué bon basket li, Denver a pris 4-0. 4-1, c'est ça me dit. Bon, là on parle de un monde fictif. Non, pas de monde fictif ou well, Greg. Pas de monde fictif. Son équipe qui mène 2-0 son lot.
Denver bâti. Et pas Denver qui a mené 2-1, non? C'est Lakers qui a mené 2-1, malgré tout ça n'a pas Oui, mais même si Lakers a mené 2-1, Denver qui a mené 2-1, si Eddie t'a raté shoot là, c'est ça m'a besoin. Mais toi aussi, même j'ai tout Greg, de tout ça hier soir, ou dit, si Jeremy Grant pas fait 26 points hier soir. Avec si, ou ga fait plusieurs bagages avec si. Donc, ça veut dire, bagages si, et l'on a fait analyse ça, si yo vraiment... Et yo vraiment subjectif parce que yo pas bon bagay objectif li parce que si nous dit si Anthony Davis boss bi de Alan jouet là et même Jean tout la match là neg et role player yo l'en jouet là si role player si Anthony Davis ka met un big time shot role player met un big time shot that's it c'est ça qui fait c'est ça lié même question bien pour vous pensez que Denver gagne de meilleurs talents que Lakers ou pensez les Denver plus fort que Lakers. Non, m pa di Denver pi fò ke Lakers. Lakers gen meyò talan, m pa yon problem avèk sa. Ok, on lòt kèsyon. Intensite pou intensite, tou lè dwe ekip ap jou bon basket, yo kè skap kale? Lakers ap gen avantage lan. Men pa di Lakers ap kale. Men ou men ou di Lakers skap bat 4-2, donc sa ve diye kom si wan vi kontre ditè tou. Non, m pa kontre ditè mwen. M konè ke le... Non, m pa kontre ditè mwen. Non, mwen di Lakers ap bat 4-2 parce ke yo gen 2 superstars ke Denver pa genyen. Mais sa pa vle di pou otan ke Denver pa ka bat Lakers. Se sa m le fò komprenn. Oh, ok. Kounya, est-ce qu'on pare pour rechanger? Parce que ou gen possibilité pendant que Denver... Non, mon gars, rechanger. Li juste à 2-2. Et 2-2 le bralier. Non, mais et Greg. Bagay, ça peut être écran. Greg, faut bien écran. Si on parle... Non, posez. Écran a vini. Ten, non. Adam, bien écran. Adam, du nugget à 2-2. Degori. Ou te dit qu'il a fini 4-2. Dissé rien 2-2. On ne parle pas. Kounya, c'est vous dire Denver sont ouais. Non, vous dites que Mike Malone joue nos moyens pour stopper les Lakers, right? Et bien, vous dites qu'il joue nos moyens pour stopper les Lakers, etc. Donc, donc, vous pensez que moyen ça joue non? Appel gain série, Greg? Je ne dis ça là, non? Je ne dis ça là. C'est une question posée. En tout cas, moi, monsieur Samkadou, c'est Samkadou. Ajustement que Mike Malone fait, moi remè yo, li permet Denver rete nan match, li permet Denver bay tèt li, mais on chance pou yo kapab gagner match la, nan le rive down the stretch. Li fait nan game 2, yo gagne game 3, nan ba manke kran. Nou de mes studios veulent Denver ta supposé 2-2. Mes amis, an ale lan lot et final conférence, parce que nou konnen, nou a ka fè tout lè a sou Lakers seulement, gon lot final conférence kap jwe tout. Et jodi a 8h30 pou al genye game 4 en Boston. Et chen la li men, al bezwen fè tan debo al tou. En Boston avec Miami Heat et denye match la, Boston te kale Miami nan denye match la. Et yon nan faktor ki te ke an pil moun te remarke nan match la ki te important pou Boston, se le fèt ke Gordon Hayward te toune la efektif la et monsieur te géré intensité Boston l'autre gens et malgré et Miami te kembe bagay la vraiment tight mais Boston te vin rive et passer vitesse supérieure là sous Miami et maintenant série a vin 2-1 en faveur Miami à ce là game 4 est-ce que nous pensez c'est 3-1 ou bien si est-ce que la 2-2 et Grégory va me commencer à voir Miami 3-1 à ce et la close la very close mais moi attendre que Miami à demain pour courage à demain pour courage à demain et moi reconnaître que et comme je dis Gordon Hayward qui rentre en ligne de compte là ça vient by Boston plus option comme si plus largeur et meilleur et parce que Gordon Hayward monsieur c'est un joueur qui très versatile et qui a pénétré il a pris 3 points et monsieur bon passing ability qui assez décent donc moi pense que et Boston et c'est sûr yo pral vini avec sense of urgency côté que avec sense de urgence côté que yo pral essayer égaliser match là mais moi crois que Miami et la bande Spoelstra et connaît que et l'ordre de 1 et pour qu'on arrive canard même Jimmy Butler te dit là
Donc, et moi, je pense que nous avons un match à rebondissement. Même si un match Lakers, même si un match Lakers Denver fini et deux derniers. Moi, je pense que un match comme ça, un match Boston-Miami à soir, c'est une qui concerne un match. Et Bouti même d'accord Bouti a premier mon cap gain Gucci va le bon chez son émission jeudi à Gucci a premier mon cap gain à soya et puis après ça tout l'autre et puis après ça et puis Miami a suivi trace Gucci et puis Boston est chaud et moi c'est problème ça ensemble avec Greg OK et moi même ou pas ka, bon, gade, tout a dit mon fin bay la, yo, même pas souvent zin Boston 2-2. Ou dit Miami 3-1, et puis ou pas parler de un joueur Miami. Ou pas parler de aucun ajustement Miami qui a fait comparé à Game 3. Et puis, c'est Boston vous et monter. Pendant fin voyez Boston monter, vous dit Miami 3-1. Non, moi, vous connaissez ça, Boston te fait qui permet au gars calé, yo. Mais moi, dis vous comme ça que, moi, dis vous que Miami a. Parce que qui ça? Nous déjà, comme qui ça? Qui s'en a fait différent de Game 3 mais pas Game 4 là. De nouveau que Miami a pour le faire différent. Merci. Bon, ok, merci. Et ça me développe bien. Bien content de rejoindre moi. Mais Miami n'a pas qu'à jouer bien que je joue. So j'aime tout ça déjà, Grégory. Non, attention, oui. Moi, je dis que Miami n'a pas obligé de faire rien de différent que le faire, mais le cas fait à la perfection. Non, mais pas rien. Regardez, mais ils sont bons équipes. Mais like I said, meilleure défense qui était dans le quatuor ça là, c'est Miami. Et le Miami a joué clamp down defense, la toujours gain by technicians pour les capable caler dans fait match. Mais l'organ defense ça pour gain 4 joueurs face à 20 points, mais contre défense ça c'est. Non, mais ça arrive. Mami, Mami gagne une série de statements win ni fait avec defense. Li. Mais on pas battre nous une question meilleure défense là. Sous papier oui, lui semblait meilleure défense, il gagne quelque chose. Sous papier. Non, là m'a pas être sous papier. Ça veut dire l'homme garde par exemple Jean Negio, Lock et Giannis Antetokounmpo et vous regarde statistique Negio et cetera. Mais par exemple et gagne 4 nèg qui fait 20 points face là, mais on t'a dit Lock, il t'a dit Lock une. Lock you. Mais comment c'est rien encore? Attendez, ni 2-1 en face. Comment c'est rien? Non, mais. Ok, je me pense que Boston tape 2-1. Ok, excusez-moi. Seul petit bail, moi pense que Jimmy Butler, monsieur Kabay, a meilleure performance que ça n'a pas eu à la Kounia. Et Kabay 2, 12 points, 14 points dans le match. Je pense que Jimmy Butler a fait plus. Parce que vous sentez monsieur Antijan. Léon Tijan est relax dans le premier mi-temps et puis c'est dans le quatrième quart d'heure, monsieur, sans qu'il voulait réveiller. Je comprends le monde qui a dit livrer les jeunes, comme si livrer les jeunes et plus d'opportunités pour briller. Mais en tant que leader, tout, monsieur, t'as supposé commencer comme si step up, intensité. Je ne t'ai pas parlé, comme c'est thème jeudi, c'est intensité. Il y a une intensité de plus qui a aidé et qui a aidé les jeunes, qui a aidé non seulement. Et lui-même, comme si, mettait plus, comme si là, en rythme, et aussi, jeune, yote kap, on tijan plus step up, d'après moi. Ça c'est analyse pas. Et je suis sorry pour tout le monde qui croit que Jimmy Butler, c'est Kobe, c'est LeBron ou c'est Michael Jordan. Pas de monde qui dit ça là, cher ami. Pas de monde qui dit ça. Nous, je dis, monsieur, qu'a joué mieux. Ouais, bonjour. C'est ça que Polo a même, oui. Polo a joué sous son dit, et puis il ne mettait pas en la bouche, et puis il faut compléter son dit, et puis il y a beaucoup de son, oui. Ok. Bon, résumé pour nous, ça nous plaît dire, ok? Nous, on a dit Jimmy Butler pour le step up, pour le jouer mieux, pour ne pas faire 14, 15. Jimmy Butler, c'est ça, mais ça pas niveau Jimmy Butler. Mais Jimmy Butler, l'on fait défense. 12-14 points par niveau Jimmy Butler. Ok, Grégory, on dit Jimmy Butler fait 20 points. Vous voulez le faire 20 points et sortir le step up là? Non, je ne voulais pas faire 20 points. Mais moi, tout que. Qui sont venus? Non. Moi, du standard Jimmy Butler, c'est 20-22. C'est où dit l'hier, Bipolo? C'est où dit l'hier? Monsieur, mais ça me dit nous. Jimmy Butler, 20-22 points. Game match à bord 14-15 points. C'est ça que Jimmy Butler a. Moi, c'est ça me dit nous, oui. Nous voulons prendre un joueur pour un autre joueur, mais joueur, c'est ça lié à ce joueur qui a bon 14 points un jour, qui a bon 40 un autre jour, qui a bon 22 un jour. C'est pour un joueur qui a une régularité en termes de scoring, high scoring game.
That's exactly, c'est ça, Herbie saute d'où là. Herbie dit que Butler ka joué mieux. Mais qui t'aime si l'en aboré? Of course, m'konne que Jimmy Butler ka joué mieux. Mais m'konne Jimmy Butler pa ka kembe ou ekip ak scoring ni pendant tout ton série. Sa Jimmy Butler fait là, c'est lui qu'on fait, et c'est lui qui fait pi bien, c'est ça qui fait nous parler de lui aujourd'hui comme ça. On Jimmy Butler qui kembe boule là, qui dit qu'il peut être agressif, qu'il peut prendre plus de shoot. Mais moi, Rimoun, ou ap retire shoot nan men Duncan Robinson, ou ap retire shoot nan men Tyler Hero, ou ap retire shoot nan men Gordon et Goran Dragic, et nek sa ou pi efis, sa ke Jimmy Butler, en termes de scoring, en termes d'efficacité, Jimmy Butler gen yon mid-range game, ki kapab sovo nan fin match, nan close game, la chèche faute, mais sous 48 minutes, monsieur pas consistant, c'est pour un qui consistant, c'est pour un qui constant, me devait dire, c'est pour un qui constant, et c'est pour un qui efficient tout. Maintenant, style lien, c'est justement style ça qui fit Miami. Bon, moi, t'as aimé que nous, que Jimmy Butler, bon, mon 3 séries, 30 games, bon, ouais, si Miami a toujours battu. Équipe Miami, c'est sa nature lui-même. Sa nouvelle là, c'est meilleure version Miami, pas une plus bonne version. Pas Oh, une plus bonne version Miami. On dit, bon, le OK. plus agressif, qui prend plus shoot, l'a réduit sous Duncan Robinson, sous Tyler Hero, sous Goran Dragic. N'a pas les deux ont équipe qui gagne au moins 6 manchettes qui câblent sur Bam de Bema de Bayo parce que Bema de Bayo c'est presque pionnier et comme tu me dis ça potomitan qui ça même pas les deux m'a pas donné qui généralement je suis payé maintenant comme c'était moi-même toute son nous t'en n'a pas les là yo dans tout match yo m'a mis toujours derrière m'a mis toujours battre pour recoller Boston juste pas qu'à close game ni yo. Mais Boston est plus talent. Why is that? Boston lead dans toute catégorie. A pas m'zou pour raison. Boston, pas qu'à close game ni yo. Et puis, équipe Miami, montre Mais plus pour qui ça n'a pas qu'à talent. close game yo? Parce que yo m'zou ça déjà expérience, fait ça. Niveau talent, tout fait ça. Niveau Avec talent, fait ça. des first man n'y a pas gagné pour ça? Mwen pa, e pa samedi, mwen d'zou ke gen de neg, ou mette défense, mirage ko de la prazel. Là, le bon tap krasé Detroit, Mirai Jericho, Kobe, Michael Jordan. Gen de nek défense, pas défense, la fè sa pou l'fè a. Quelque soit défense, mais la fè sa pou l'fè a. Maintenant, c'est pas mwen dou nan Boston, c'est vrai que n'y a rien talent, mais pas bon nek kon sa. Moun ki ta doué kon sa, c'est ta doué Jason Tatum, même si pou kon y ven nan niveau sa. Mais sou gade tout. Monsieur, Miami, son bloc, oui, sauve le game 1. Game 2, encore. Nous sommes j'ai fait match à 3 minutes de la fin, Boston mené pour 7 points. Ça veut Ouais, dire là, que oui. sous garder tout nu au match, Boston qui contrôle match là, c'est rien la plupart du temps. Moi, t'ai dit ça, ma bouche, ça. C'est juste un petit détail, Boston besoin pour le prendre contrôle, c'est rien dans mes mamies. Pour mamie, par contre, green match qu'on a série. Moi, on est les ma fête, mais moi, je avec. Moi, Boston, pendant un. Boston mené pour presque 112 minutes ou 119 minutes qui jouent dans la série A. Avec dit que son équipe, qui bon petit malin en plus, qui manquait pour le dominer, la craser. Mais Ami fait plus d'efforts, mais Ami paraît plus fort pour aller faire la série A. Est-ce qu'on est twist pour le yo? Là, a parlé de Boston Miami, il dit son petit détail qui manquait Boston. Mais là, a parlé de Lakers. C'est pas petit détail, non? C'est une Non. question d'intensité, c'est une question de ceci. Non, non, non. Grégory, Gardez, gardez, vous êtes bon d'aller. Vous êtes bon. Grégory, un campé là. Oui, Donc, ok. est-ce que. Ok, ça veut dire, vous regardez série Boston, Miami, hein? Vous comparez Miami à Denver devant les Lakers, et sauf les Non, Lakers. pas comparé. Moi-même, moi, je trouve que. Vous Non, avez un pas rapport, vous avez un rapport. C'est. Non, parce que. Vous se dit, par exemple, que. Ou so, mais twist là c'est ou so dim que c'est un bloc son petit détail bloc qui fait que Miami te bat Boston. Mais c'est donc son détail 3 points et dit qui te fait les 15 bat Denver tout. Which Grégory, that's my point. Grégory, non, ou mal comprendre. Moi dis que Boston Expliquez. dominait tout match là. C'est pas Miami qui t'a dominé puis Boston t'a fait recoller. Boston et puis et Miami a bloqué le fin game. Non, Steel Anthony Davis qui font un shoot au buzzer beater. Non, c'est Boston qui a dominé. Lakers qui a dominé Denver.
OK. Denver recoller, Lakers OK. close game nan quand même. Donc, on parle de deux scénarios différents. Lakers OK. a dominé Denver. Boston a dominé Miami, mais Miami mais Boston pas qu'à close game yo. Maman vini sur moi. Ah, monsieur fait mon mal surprise là. Voilà, comme ça. Non. Bon, ça arrive là, fanatique, ça arrive là, c'est que Grégory était New York, donc monsieur allé en Floride. Pas un monde qui connaît monsieur en Floride et monsieur a fait maman la surprise, donc maman fait rentrer la caille là. Maman le well. Donc nous allons finir live là tout là, monsieur, parce que le a dépassé, parce que nous dépassons, nous allons faire un pile de gui là, nous allons arriver là 42 minutes. En tout cas, n'a pas pu son belle image. Mais je chante ça, Grégory, je dis à m'battre ou passer ou l'eau à jouer là. Donc, merci, Valentin. N'a pas quitté Grégory à le jouer maman. Rendez-vous à demain si je veux. Salut, maman, boulot. Pourquoi c'est fait, Liba, oui? Oui, fait, Liba, dis-moi si je veux. Eh bien, ok, Kevin, passe, dis-le-nous qui vous parlez. Ok. Bye. I'm going in. All right. No good, no good.